saison, Dieu appelle cela. Et dans ces saisons, dans tout ce qui est approprié, vous devez comprendre. J'ai découvert que dans les fêtes que nous appelons, comme le pasteur Robert l'a si bien souligné, les fêtes de l'Éternel. Remarquez bien, il n'a pas dit le fête de Samuel, le fête de Robert ou de Catherine. Je ne vous entends pas. Alors, si vous dites que vous servez l'Éternel, si c'est sa fête, ça devrait être le nôtre aussi. Une des particularités que vous allez découvrir concernant ces fêtes ont été observées par le peuple hébreu, accomplies par le Christ. Je dis observées et appliquées par le corps du Christ. À l'exception de quelques-unes, toutes les fêtes ont été accomplies, dont l'une d'elles qui est la fête de tabernacle, que nous appelons le Souka, la maison de l'Éternel. Partiellement, ça a été accompli parce que maintenant, nous sommes le peuple qui avons reçu Yeshua, le Messie, le Hamashia, comme on dit si bien. Mais nous savons que l'accomplissement total de cette fête sera lorsque Jésus apparaîtra physiquement à Jérusalem. Je vous dis, ces fêtes sont riches. Lorsque vous les étudiez, une des choses que j'ai découvert, que pour la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu, chaque croyant et chaque croyante devriez étudier les fêtes, c'est que la première chose que ces fêtes font, ils révèlent le Christ. Ces fêtes révèlent le Christ dans toute sa splendeur, révèlent sa nature, révèlent son œuvre, révèlent que tout ce qu'il a fait après avoir accompli, je veux vous dire, vous serez fascinés de découvrir combien de vérités se cachent dedans. Et si vous voulez juste un petit pouvoir, allez dans Lévitique, le chapitre 23, qui est le chapitre qui énumère toutes ces fêtes, qui s'appellent les fêtes de l'Éternel. Vous allez être richement bénis. Je dis, vous allez être richement bénis. Je vous dis, je pense que le jour viendra où j'aurai un peu plus de temps de pouvoir. Vous savez, quand j'ai commencé à étudier ces richesses, ces vérités, ça remonte à peut-être, je ne sais pas combien de temps, enfin bref. Mais mon épouse et moi, on avait compris l'importance de pouvoir puiser dans nos racines. Et c'est vrai que des fois, juste parce que les gens nous regardent, parce qu'on n'en parle pas, ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas. Je dis, juste parce qu'on n'en parle pas, ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas. Et j'ai découvert une autre vérité où j'ai vu une offrande fait effet ping-pong. On était dans une conférence, c'était dans cette rue même, sauf que c'était là-bas, vous savez, où il y a les grandes salles qui sont louées. Et Dieu, en même temps, touche à notre cœur, mon épouse. Je vous donne tout cela pour que vous compreniez qu'il y a une réalité dedans. Ce n'est pas juste des rituels. Comme je vous ai dit, ces fêtes ont été observées par le peuple israélite, accompli par le Christ, mais doit être appliqué pour nous, peuple de Dieu, les goïms. Je vous dis, rien que ce que je vous ai dit là, c'est riche en révélation. Et lorsque on était l'un à côté de l'autre, mais Dieu nous a parlé instantanément en même temps. Et on avait gardé une certaine somme pour pouvoir aller pour nos vacances. Et là, Dieu nous demanda de semer la somme totale. Je ne vais pas vous dire c'est quoi la somme, parce que là, ce n'est pas le but. Et vous savez quoi? On a semé par la foi. On était d'accord, mon épouse et moi, pour semer cette somme qu'on avait mise de côté pour nos vacances. Et vous savez quoi? Le dimanche que j'allais prêcher à l'église, il y a quelqu'un qui vient vers nous à la fin du culte qui nous dit: Pasteur, Dieu m'a parlé, m'a dit de te bénir de cette somme. Et c'était exactement la même somme qu'on avait semée. Et vous savez, c'était quand l'époque, quand vous étudiez les fêtes, vous allez voir, il y a trois moments spécifiques que Dieu demanda à ramener une offrande. Je vous laisse avec ça. Allez chez vous, puisez dans votre Bible. Gloire à Dieu. En tout cas, Dieu est bon. Je suis si honoré d'être parmi vous, de pouvoir apporter la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, nous allons faire notre confession de foi. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles et brandissons-la. Et dites: ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire.
Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif dans le nom de Jésus. Ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Nous croyons dans la puissance de la transformation. C'est bon, les gars? Quelqu'un dit la puissance de la transformation. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec beaucoup de crainte. Non pas que d'habitude, je ne le fais pas, mais ce que je suis sur le point de libérer, je suis... En tout cas, je demande Dieu qu'au travers de cette âne dont Pasteur Robert parle souvent, je suis l'un parmi deux, imparfait, que ces paroles qui vont sortir soient des paroles qui viennent du ciel, inspirées de Dieu. Amen. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Gloire à Dieu. D'autant que je me... Voilà. Si vous ouvrez votre Bible dans Marc, le chapitre 6, s'il vous plaît. Marc, chapitre 6. Pour ceux qui sont à la maison, je vous inviterai, vous aussi, d'ouvrir votre Bible. Juste parce que vous êtes à la maison, ça ne veut pas dire que ça vous donne le loisir de ne pas ouvrir votre Bible. Gloire à Dieu. Nous allons lire Marc, le chapitre 6, et nous allons voir le verset 1 à 5, s'il vous plaît. Marc, le chapitre 6, le verset 1 à 5. Vous êtes prêts? Il dit ici, « Jésus quitta cet endroit et se rendit dans la ville où il avait grandi. Ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs furent étonnés. » Quelqu'un dit étonné. Il disait, « D'où a-t-il tout cela? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie ?» J'aimerais bien que vous souligniez le mot « charpentier ». J'aimerais bien que vous souligniez le fils de Marie de votre Bible. Et le frère aussi de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon. Et ses sœurs, ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et ceux-là, ce mot « ceux-là », j'aimerais bien que vous l'encerclez, vous mettez des étoiles autour. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, je ne vous dis pas cela pour être créatif, ça peut être l'une des raisons, mais néanmoins, là, ce n'est pas le but. Ce que j'ai appris lorsque je lis ma Bible, lorsqu'un mot qui m'impacte, lorsque Dieu me donne une révélation, je l'encercle et je mets une flèche à côté et j'écris ce que Dieu me montre. Et là, vous allez comprendre, aujourd'hui, je vais vous parler de cela. Quelqu'un dit cela. Et remarquez ce qu'il est dit. Et cela les empêchait de croire en lui. Impressionnant. Qu'est-ce que cela? Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. Jésus ne put faire là aucun miracle. J'aimerais que vous souligniez aussi. Vous savez, cette traduction française, Louis II, Dieu merci pour Louis II, je ne pense pas pouvoir faire un meilleur travail que lui, mais néanmoins, si vous regardez dans le texte original, la Bible anglaise, New King James, le traduit très très bien. Il lui dit, ils ne purent pas faire de miracles si ce n'est que quelques miracles mineurs. Quelqu'un dit mineur. Quand le mot mineur est mentionné, ça sous-entend qu'il pourrait y avoir le majeur. Et remarquez bien que là, ce n'était pas une question de pouvoir, c'était une question de... Remarquez bien, ce n'était pas le vouloir qui... c'est pas le vouloir qui manquait à Jésus, c'était le pouvoir. Et la plupart du temps, des fois, toi et moi, on dit, Seigneur, c'est en toi le pouvoir. Il faut réfléchir. Est-ce que vraiment c'est entre les mains de Dieu? Bref, je vous laisse avec ça, réfléchissez. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais vous parler à propos de cela. Et remarquez bien ici, nous voyons le Messie.
Ici, nous voyons l'envoyé de Dieu. Ici, nous voyons le Fils de Dieu manifesté dans la chair. Ici, nous voyons loin de Dieu. Ici, nous voyons qu'un homme qui a été envoyé pour accomplir une mission spécifique, dans un temps spécifique. Mais regardez ce qui se passe. C'est qu'ici, il nous est dit que cette mission a été limitée. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux limiter Dieu dans ma vie? Est-ce que je peux limiter Dieu dans mon Église? J'irai même plus loin. Est-ce que je peux limiter Dieu au travers de mes leaders et mes pasteurs? Vous venez à l'Église, jamais vous posez cette question. Ici, il est écrit noir sur blanc. Il n'était pas une question que Jésus n'était pas loin. D'ailleurs, il a déjà dit que je suis loin, l'Esprit du Seigneur est sur moi, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que l'onction n'était pas absente. La grâce non plus n'était pas absente. La capacité et l'habilité de pouvoir exercer l'autorité sur les démons, exercer l'autorité sur les forces de la maladie et ainsi de suite n'était pas absente. Néanmoins, il nous dit qu'il y avait une chose. Et qu'est-ce qui les empêchait? C'était cela. Et remarquez bien ici, il mettait l'accent sur son métier plus que sur son identité. Et remarquez bien quelque chose d'autre que j'ai vu, le Saint-Esprit me montra. Ils allaient même plus loin pour ne pas accepter la légitimité de Jésus par rapport à qui devait être une descendance de David. Remarquez bien, ce n'est pas Joseph qui est mentionné, mais c'est Marie. Vous vous rendez compte que c'est subtil quand même. Impressionnant, n'est-ce pas? Et là, il voulait saboter tout ce que Dieu avait prévu en disant que celui-ci n'est pas celui dont nous devons nous attendre. Parce que de toutes les manières, c'est juste le petit charpentier. C'est à l'époque, être charpentier n'était pas le plus grand business qui pouvait exister. Le meilleur, je puisse dire. Aujourd'hui, nous avons la charpenterie, tout a grandi, tout a évolué par rapport à tout ça. Mais remarquez bien, il mettait l'accent sur plus son métier que sur son identité. Il mettait l'accent sur son humanité, en étant le fils de Marie, au lieu de dire qu'est-ce qui les a empêchés de dire que c'était le fils de Joseph. Il voulait saboter la prophétie que quelqu'un devait venir de la lignée de la maison de David. Subtil cet esprit, très subtil. Et je vais vous parler de cela. Et c'est cela qui empêche vous et moi d'expérimenter la plénitude de Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce message, je l'ai eu depuis l'année dernière, si ce n'est pas l'année d'avant. Et quelque part, je me suis conforté dans le fait de ne pas pouvoir le partager. Parce que c'est ce que je suis sur le point de vous le dire, ça risque de vous choquer à beaucoup d'entre vous. Et comme vous savez tous, pendant les vacances, j'ai appris maintenant, pendant que les autres font la fête, ils vont dire, oui, mais c'est la période de fête, on se laisse aller. Moi, je ne me laisse pas aller, c'est le moment où je mets plus de rigueur dans ma vie, où je prends un temps spécial, où je me consacre et je me prépare déjà, avant même la venue du jeûne de Daniel, le mois de juillet, août, je me consacre pour chercher la face de Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Et il y en a encore d'autres messages que Dieu m'a mis à cœur. Ce message en particulier en fait partie. Et j'aimerais vous dire que ce message ne concerne pas que le bon berger. Et ce message concerne le corps de Christ. Qu'est-ce que cela? Je vais vous parler de cela. Le péché de la familiarité. Parce que c'est ce qui a limité Jésus dans sa ville natale. C'est ce qui a limité l'onction de Dieu d'agir dans sa ville natale. C'est ce qui a empêché la puissance du ciel de déverser sur la terre à cause. Vous savez, le mot « cela », juste parce que cela n'est pas mentionné lorsque l'auteur a donné, mais si vous encerclez le mot, vous vous rappelez, je vous ai dit d'encercler, de mettre les étoiles, mais vous pouvez mettre une petite flèche et maintenant vous mettez le péché de la familiarité. «
Croyez-vous que si le péché de la familiarité a limité l'onction de Dieu dans la vie de Jésus, croyez-vous que le péché de la familiarité limitera l'onction de Dieu dans la vie de nos pasteurs? C'était une question, vous pouvez répondre. Pas tous à la fois, mais vous pouvez. Avez-vous déjà réfléchi dessus? De toutes les manières, c'est Jésus. On a grandi ensemble. On a fait des bêtises ensemble. On a cueilli des fruits ensemble dans la cour des voisins. On a joué aux billes ensemble. Qui est-il celui-là? C'est simplement le Jésus qu'on connaît tous. Ah, de toutes les manières, c'est qui? C'est Baxter. Hein? Ils viennent d'un pays lointain. Vous allez être surpris. Le pasteur Robert a clôturé son message avec l'esprit d'aveuglement. Vous allez être surpris que l'esprit de familiarité est un des aspects qui se manifeste par l'aveuglement. Vous allez découvrir que un effet direct de l'aveuglement spirituel peut être déterminant ou sinon s'exerce par le biais de ce péché qui est le péché de la familiarité. Mon cœur se déchire lorsque je regarde le corps de Christ ayant une certaine familiarité avec des hommes et des femmes de Dieu. Et pourquoi je vous dis que j'étais très mal à l'aise? Parce que je fais partie de ces gens-là. Et encore une fois, je ne cherche pas la reconnaissance. Je vous dis, je vous aime, point à la ligne, ça s'arrête là. Le reste, ce n'est pas mes affaires. Si vous aurez des comptes à rendre, ce n'est pas vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis de Baxter, ni vis-à-vis des Placides, ni vis-à-vis des Cuquejot, mais ce sera vis-à-vis de Dieu. Mais j'aimerais quand même vous pencher dessus, sur cette réflexion. Comment est-ce que vous traitez vos leaders? Comment est-ce que vous traitez vos pasteurs? Comment est-ce que vous traitez vos responsables? Pendant que vous êtes en train de lutter, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de chercher Dieu, l'onction est dispo H24. La seule chose qui pourrait faire la différence, c'est de réaliser que cet esprit est en opération. Et comme je vous ai dit, si cela opère par l'esprit de l'aveuglement, vous n'allez pas le découvrir tant que le Saint-Esprit ne pose pas le doigt dessus. Moi, je vous le dis cela, mon épouse le sait, mes enfants le savent. Bien que je suis très copain-copain avec les Baxter, laissez-moi vous dire, en dehors de tout ça, il y a un grand respect dans mon cœur vis-à-vis de Dieu, parce que je n'ai pas envie de passer à côté de ma destinée. On rigole, on joue, on discute, on bosse ensemble, gloire à Dieu, on est des collaborateurs dans le Seigneur, mais une chose est sûre, c'est que j'ai un respect pour l'onction de Dieu sur leur vie. Est-ce que, je dis bien, est-ce que c'est peut-être la raison pour laquelle mes prières ne sont pas répondues? Est-ce que, écoutez-moi bien, j'aimerais, parce qu'il y en a qui vont me regarder, ils vont me dire oui, mais, écoute, j'aimerais juste te poser cette question. Est-ce que tu penses que ça pourrait être l'une des raisons que ta guérison ne se manifeste pas? Parce que remarquez bien, Jésus avait le vouloir de vouloir agir. D'ailleurs, Actes 10, 38 nous dit quoi? Jésus était loin du Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien, n'est-ce pas? Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, n'est-ce pas? Alors, pourquoi nous voyons que là, il y avait un lieu particulier, une situation particulière que Jésus n'a pas pu le faire? Vous savez, Selon le dictionnaire, le mot familier, je ne vais pas vous demander si vous aimez cela, je vous dis, tout ce que je suis sur le point de vous dire, je le dis avec beaucoup de crainte. Selon Larousse, le mot familier veut dire dont le comportement manque de réserve, dont les manières sont indiscrètes, sinon impolies.
C'est pas moi qui le dis, c'est Larousse. Si vous avez un problème, allez voir Larousse. Familier sur Larousse, il dit, dont le comportement manque de réserve, dont les manières sont indiscrètes, sinon impolies. Le mot familiarité, selon le dictionnaire, il nous dit manière de se comporter trop librement à l'égard de quelqu'un. Il y a un dicton qui est dit chez moi à l'île Maurice qui dit trop habitué. Enfin, chez moi, on va dire d'où je viens, mais non, c'est chez moi ici. Gloire à Dieu, alléluia. Peace and love avec. Gloire à Dieu. Dieu, merci pour la France qui m'a adopté. Alléluia. Bien-aimés, vous devez comprendre que cet esprit est très subtil. La familiarité envers un roi de l'éternel, pour moi, selon moi, est l'une des plus grandes barrières de l'onction de Dieu. Ça vous empêche de recevoir de l'onction de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire ceci, la seule chose qui va vous faire la différence de votre vie, la seule chose qui va vous faire d'être quelqu'un qui est malade pour réceptionner la guérison, c'est d'enlever ces obstacles. Et des fois on dit, ouais, mais tu sais, il y a le doute, il y a l'incrédulité, il y a tout ça. Mais tu sais, tout ça, ce sont des cousins. Mais pour moi, le père de tous les cousins, c'est la familiarité. Un manque de respect. D'ailleurs, si vous voulez, la familiarité, d'une manière plus simple, d'un vocabulaire contemporain, pourrait être simplifiée dans le contexte que prendre les choses saintes comme commun. C'est aussi simple que ça. Prendre, quelqu'un dit prendre, les choses saintes comme commun. Et remarquez bien, c'est que tout dépend. Tu vois, ça va bloquer l'onction de Dieu, ça va bloquer la puissance de Dieu, ça va bloquer la manifestation du royaume de Dieu dans ta vie et dans la mienne. J'aimerais vous dire, je ne suis pas là pour vous pointer le doigt. D'ailleurs, un grand homme de Dieu m'a dit, à chaque fois que tu pointes un doigt vers quelqu'un, n'oublie pas ça, mais il y en a trois envers toi. Donc, tu es le gagnant de toutes les manières. Alors, attention à toi. Je ne suis pas là pour vous pointer le doigt et encore moins vous juger. J'aimerais juste que vous permettiez au Saint-Esprit, ce matin, de sonder votre cœur et de savoir où vous en êtes. De savoir que, est-ce que, puisque ça fait un bail que je viens au bon berger, et laissez-moi vous dire, cet esprit est très subtil. Vous savez bien que lorsque l'ennemi rentre dans votre vie, il ne va pas venir avec un pancarte, il dit « Coucou, c'est moi Satan, j'arrive, prépare-toi ». Il ne vient pas comme ça, il vient subtilement, la Bible dit. La Bible dit qu'il est comme un ange de lumière. Et cela peut aller, bien sûr, aujourd'hui je parle ce contexte de nos leaders, de nos responsables, de nos pasteurs, de nos anciens qui sont là. Et aussi des couples Baxter et ainsi que Placide. Je veux dire, comment on se comporte vis-à-vis d'eux? Quelle attitude avons-nous? Ouais, est-ce que c'est Jean-José? Cool, Jean-José. Est-ce que c'est JP? Ouais, JP, check-moi ça. Tac. Mais tu sais, vous me voyez comme ça avec lui, mais j'ai un grand respect pour cet homme. Parce que je constate que c'est un oint de l'Éternel. Bien qu'il soit mon ami, bien qu'on puisse manger ensemble, bien qu'on puisse faire la fête ensemble, je suis conscient que c'est un loin de l'Éternel. Vous savez, ce péché est très néfaste. Voilà ces trois choses que la familiarité appelle dans votre vie, dans la mienne. Premièrement, il va vous appeler le mépris. Vous allez commencer à mépriser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre pasteur est venu vous parler, ou votre leader, ou votre responsable, vous avez commencé à mépriser ce qu'ils vous disent? Alors si vous avez fait, c'est que quelque part, l'esprit de familiarité n'est pas loin. Le manque de respect. Vous savez, écoutez, il faut m'attacher. Là, je risque de faire sortir les choses que je n'ai pas envie. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je n'arrive pas à comprendre
français que nous sommes, comment on peut se permettre à parler n'importe comment envers un oint de l'Éternel? Écoutez, je ne sais pas, c'est hors de moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas. Et après, je vais aller plus loin, ok? Je sais que le temps passe, mais je vais non seulement suivre mes notes, je vais écouter ce que l'Esprit me dit. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, je veux t'honorer. C'est vrai ou faux? Allô? Mais selon vous, qui c'est qui les a envoyés? Il dit, quand tu honores celui qui a été envoyé, tu honores par la même occasion celui qui l'a envoyé. Alors comment peux-tu oser dire que tu honores Dieu, mais que tu n'honores pas celui qui l'a envoyé? Est-ce que l'hypocrisie? D'ailleurs, il est écrit dans l'épître de Jean, il a dit, si tu aimes Dieu et que tu n'arrives pas à aimer ton prochain, ce n'est pas la bonne manière de démontrer l'amour de Dieu. Alors tu ne peux en aucun cas dire que tu honores Dieu, que tu n'honores pas, tu n'as pas le respect de ceux et celles que Dieu a établis sur ta vie. Je sais vos questions, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Vous savez, je sais exactement ce que vous êtes en train de penser. Ouais, mais Samuel, s'ils font une erreur. J'aimerais vous dire ceci. Qui est le patron? Vous ou Dieu? Allô? S'ils ont des comptes à rendre, à qui devraient-ils rendre des comptes? À vous ou sinon à Dieu? Hein? Moi, vous savez, je vais vous dire... Cela, je l'ai vécu. J'ai porté le t-shirt, je vais vous dire, je suis médaillé d'or sur ce domaine-là. Je me rappelle dans le ministère que j'avais commencé, Pasteur Catherine, tout le monde a commencé à parler contre cet homme. Je remercie Dieu pour ce frère qui est parti à Londres, retourné à Londres. Ce frère et moi, ce qu'on faisait, on dit, on ne va pas rentrer dans ce carnage, nous. Ce qu'on va faire, on va rentrer dans le jeûne et la prière. On va protéger notre leader. Parce que notre leader n'a pas de comptes à rendre à nous, il a des comptes à rendre à Dieu. Moi, je veux prier que cette folie quitte son âme dans le nom de Jésus. Moi, je veux prier que cet esprit de stupidité, excusez-moi l'expression, quitte son âme, gloire à Dieu. Moi, je veux prier que cet esprit démoniaque va le libérer, mais je ne suis pas son juge. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi, quand vous allez travailler, c'est le patron qui vous dit ce que vous devez faire, ce n'est pas vous qui dites au patron ce que vous devez faire. Pouvez-vous me répondre? Allô? Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous savez, ça fait 20 ans que ce message mûrisse dans mon cœur, dans mon âme. 20 ans. Et ce que je suis en train de partager avec vous, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas été pesé, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas été prié, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas été expérimenté. Je sais bien de quoi je parle. J'aimerais vous dire, si nous voulons rentrer dans la saison que Dieu a pour nous, c'est le moment de nous débarrasser de ça. Le déshonneur, oh Jésus. Le déshonneur. Tu sais ce que les gens vont dire? De toutes les matières, il est écrit que vous dites la vérité dans l'amour. Vous savez, lire le verset, juste citer un verset, ça ne vous donne pas... La dernière fois, j'avais un entretien, j'ai dit, écoute, on n'est pas des érudits ici, ok? Ne trouvons pas des versets juste pour justifier notre stupidité. Parce que moi aussi, je peux prendre un verset pour faire en sorte que j'ai raison. Tout le monde peut le faire. Il faut le lire dans le contexte. Dans le contexte, quand il disait « partager », dire la vérité dans l'amour, ce n'est pas veut dire dire ce que tu as envie de dire dans l'amour. Il disait de dire la parole de Dieu qui est l'ultime vérité. Que Dieu fait grâce. Que Dieu fait miséricorde.
le mépris, le manque de respect, le déshonneur. Je me demande à quel point qu'on s'est laissé envahir par cela. Regardez les résultats. Avez-vous commencé à les critiquer? Avez-vous commencé à les dénigrer? Avez-vous commencé à les calomnier? Le refus d'obéir et de se soumettre. Écoutez-moi, je parle non seulement de l'équipe pastorale maintenant. Je vais plus loin, jusqu'à vos leaders. Allô? Je parle que vous travaillez à la Sono, que le frère Jean-Claude est le leader et que vous ne soumettez pas à son autorité. Je parle à la plateforme. Ne me cherchez pas, je vais venir là où vous êtes. Est-ce que nous les critiquons? Est-ce que nous les dénigrons? Sommes-nous en train de calomnier à leur sujet? Est-ce que nous refusons d'obéir à leur autorité et de nous soumettre à eux? Est-ce que on le fait? Tu vois, des fois quand tu le fais, comme la dernière fois je prêchais. La dernière fois je prêchais à Priscalis, quelqu'un m'a dit oui mais on est sincère. Tu sais ce que le Saint-Esprit me dit? Il me dit, dis-lui que des fois on peut être sincèrement dans l'erreur. J'étais surpris. Être sincère ne veut rien dire. Parce que tu peux être sincèrement dans l'erreur. Waouh, ça réfléchit. Hein. Regardez cela. Cet esprit est vieux comme le monde. J'aime bien cette expression. Il y a des expressions françaises que je dis, waouh, ça rentre bien là, Seigneur. Tu sais, toi, tu crois que c'est nouveau? Regardez votre Bible dans Ésaïe 14. Vous savez tous que Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, les deux versets, deux chapitres, pardon, parallèlement parlant, qui énumèrent certaines choses concernant l'ennemi. Et remarquez bien, et c'est là que le Saint-Esprit, ce matin, à 4 heures du matin, le Saint-Esprit me dit, lis ce verset. Il me dit, je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu dans ce verset, Sam. Lis-le. Et j'ai lu, et vous savez ce qu'il m'a dit? Et c'est là que j'ai eu cette expression, cet esprit est vieux comme le monde. Ésaïe 14, à partir du verset 12 à 14, dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Vous savez tous qu'ici, il parle de Satan. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, qui est dédié à l'extrême nord. Et là, Dieu me dit, est-ce que tu as vu, Sam, l'esprit de familiarité était en activité dans ce verset. Parce que Lucifer était tellement avec Dieu, il était tellement presque à la hauteur de Dieu qu'il s'est pris pour Dieu lui-même. Il dit de toutes les manières, c'est mon pote. Faites attention quand vous faites ça. Vous ne rigolez pas avec Dieu. Tu sais, des fois, tu peux être tellement proche de quelqu'un, ça peut être une bénédiction, et par la même occasion, je ne citerai pas le mot. Tu te permets des fantaisies, tu te permets à dire ce que tu ressens, ce que tu penses, oubliant que c'est un oint de l'Éternel, que tu es amené ou appelé à le respecter et à l'honorer. Et quelqu'un me dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il fait une erreur? J'aimerais vous dire pourquoi vous ne dites pas à votre patron ce qu'il devait faire. Alors, à votre travail, vous pouvez l'obéir, à l'église, vous avez du mal à le faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je sais que j'ai dit cela d'une façon très hilarante, mais ce n'est pas vraiment marrant. Croyez-moi, mon cœur, il bat, et Dieu merci, mon cœur, il bat tout le temps, d'accord? Mais là, en l'occurrence, il bat très vite. Si mon cœur ne bat plus, alléluia, je vais être avec Dieu. Non, Seigneur, pas maintenant. Il y a une mission à accomplir. Mais croyez-moi, je vais vous dire quelque chose. Ce matin, je disais à mon épouse, je disais ça la dernière fois avec Pasteur Robert, je dis tous les dimanches matin, je crée une atmosphère loin d'adoration. Il y a un moment où je n'ai pas envie de sortir, tu sais, je suis juste bien. J'ai compris maintenant pourquoi il y a des gens, il arrive un moment de leur vie, ils disent Seigneur, prends-moi.
parce que c'est tellement bon pour rester ici. Qu'est-ce que la comparaison de ce que, où je suis? C'est le summum dans sa présence, mon Dieu. Tu vois, ici, cet esprit opérait depuis le commencement. Alors j'aimerais même dire, est-ce que je devrais sous-entendre que cet esprit de familiarité est un esprit satanique, démoniaque, diabolique? Je vous laisse répondre. Allô? Tu sais, il faut appeler un chat, n'est-ce pas? Hein? Appelons un chat, ok? On va y aller. Je sais, vous me regardez, le temps passe, désolé. Nous avons encore 2 heures encore, ça va. Les gars, l'esprit de familiarité va vous aveugler. Il va jeter un voile sur votre compréhension, sur votre façon de voir les choses. L'esprit de familiarité va nous empêcher de recevoir de Dieu par le biais de quelqu'un. Des fois, quelqu'un peut venir avec l'onction de Dieu, mais cet esprit de familiarité va bloquer notre vue et notre comportement vis-à-vis de cette personne va nous bloquer, va nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous. Faites attention, l'Église. Je vous en supplie avec la miséricorde de Dieu. Si vous savez qu'au son de ma voix, que vous êtes convaincu de votre cœur, s'il vous plaît, ne quittez pas ce lieu sans avoir traité avec ce problème. C'est une maladie énorme au sein du corps de Christ. Manque de respect total, déshonneur total. Des fois même, il y a des gens qui croient que le pupitre a été donné pour dénigrer. Moi, quand quelqu'un commence à me parler de quelqu'un d'autre, tu sais, la première chose que je ferme la porte. Je dis, écoute, je ne suis pas dans son église, je ne suis pas dans son ministère et encore moins son patron. Il a le grand patron, le patron gère. T'inquiète, j'ai assez à gérer avec moi, là. Je ne vais pas m'occuper des choses qui ne me concernent pas. Je ne vais pas laisser cet esprit pénétrer mon âme. Parce qu'une fois qu'il s'infiltre, tu ne vas pas savoir. Mais lorsque ça va se manifester, ça va faire des dégâts. L'esprit de familiarité. Peu importe la qualité du don, peu importe l'onction dans la vie de la personne, le don ou l'onction sont neutralisés. J'utilise bien les mots. L'onction de Dieu, le don de Dieu, vous savez tous que Dieu nous a fait des cadeaux, Éphésiens 4 nous dit. Des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, n'est-ce pas? Pour le bien, pour le perfectionnement des saints. Mais néanmoins, l'esprit de familiarité va neutraliser cette onction. Subtil cet esprit, n'est-ce pas? Nos pasteurs et nos leaders sont des cadeaux de Dieu. Ce sont des cadeaux de Dieu. Nos pasteurs et nos leaders, ils ont le soin de chercher le cœur de Dieu. Ils ont le soin de nous nourrir, de prendre soin de nous, de veiller sur nos âmes. Lorsqu'ils viennent dire nous certaines choses, toi tu vois que le bout de ton nez. Eux, ils savent déjà où ça va aller parce que le Saint-Esprit les a déjà révélés. Alors je t'en supplie, avec la miséricorde de Dieu, ne laisse pas l'esprit de familiarité avorter ta destinée. Lorsque ton leader se met devant toi et te dit certaines choses, apprends à écouter et à les prier. Ils sont équipés par Dieu pour libérer la puissance de Dieu dans nos vies. Merci Saint-Esprit. J'aimerais établir quelque chose que le livre des Proverbes dit que Dieu est une balance non équilibrée. Vous avez lu ce verset? Ce qui veut dire que Dieu aime l'équilibre. Il y en a deux extrêmes. Il y en a un extrême qui a un manque de respect total. Il y en a un autre qui considère des oints de Dieu comme des gourous. Ce n'est pas des gourous. Allô? J'aimerais juste éclaircir, merci Saint-Esprit de me rappeler. Ce n'est pas dans mes notes, mais le Saint-Esprit me le rappelle. Il me l'a dit de vous le dire. Moi, je connais des gens qui ont considéré des hommes de Dieu plus que la parole de Dieu et aujourd'hui, ce sont devenus des idoles de leur cœur. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Il faut l'équilibre. Quelqu'un dit l'équilibre. Mais néanmoins, Dieu nous appelle, vous et moi, à respecter nos leaders, à respecter nos pasteurs, à respecter nos responsables. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'une des plus grandes barrières qui empêchent d'accomplir leur rôle et leur tâche. Remarquez bien, je suis en train de vous dire ceci.
Dieu les a envoyés pour nous. Dieu les a équipés pour nous. Dieu nous a fait grâce. Mais l'une des moyens pour pouvoir les empêcher de libérer cette grâce, de libérer cet équipement que Dieu leur a donné pour nous servir pour notre bien, c'est l'esprit de familiarité. Subtil, n'est-ce pas? Ah, vous aimez ça? Le danger. Jésus a rencontré le même problème. Il se disait, n'est-ce pas, le Jésus qu'on connaît. Après tout, ce n'est que Jésus. Le danger de la familiarité, cela réduit la personne comme quelqu'un de commun. Traiter les choses saintes comme ordinaires. Les choses qui sont communes, nous les traitons à la légère. Allô? Je vais essayer de terminer, permettez-moi. Nous réduisons leur importance. Amen. Et un manque de respect s'installe et le déshonneur s'installe. Je vais demander, c'est qui le pianiste, Sarah? S'il te plaît, Sarah, viens. Merci. Je vais terminer avec Sarah, bien-aimée. Les effets sont très dangereux, à quel point que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans Nombre 12, prenez des notes à partir du verset 1 à 12. Ce qui était surprenant, écoutez-moi, tu sais, il n'y a qu'un exemple parmi tant d'autres que j'aurais pu vous donner. Je sais que c'est 45 minutes qui m'est imputé, je ne pourrais pas tout vous donner. Et vous savez tous, dans Nombre 12, lorsque cette situation se lève, lorsque Moïse épousa cette femme, n'est-ce pas? Tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit ce matin? Il m'a dit, Sam, tout le monde ont prêché sur le fait qu'ils étaient contre le mariage. Mais non. Il y avait un esprit très subtil qui agissait derrière. Parce que si vous continuez à lire, vous savez ce que j'ai entendu dans le verset? Il dit, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Vous voyez, l'histoire n'était pas l'histoire d'un mariage. C'était une histoire de, hey, Dieu n'utilise non seulement lui, Dieu m'utilise aussi, hein. Regardez-moi le grand que je suis. Subtil, l'esprit de familiarité. Ce matin, j'étais juste émerveillé les choses que Dieu me montra. Tu vois, c'était son frère, c'était sa sœur. À quel point ça pouvait être dangereux? Tu sais, lorsque Dieu l'entend, la Bible dit, une colère s'éleva dans le cœur de Dieu. Il les convoqua. Vous vous rendez compte, c'est comme si vous avez fait une bêtise et le principal vous convoque. Lorsque vous entendez convocation, vous savez que le jour du jugement arrive. La Bible nous dit que Dieu les appela dans la tente. Et au moment qu'ils entrèrent les trois, la Bible dit que Dieu est venu, il est resté à l'entrée. Oh, s'il te plaît. Pff, tellement de révélations, mon Dieu. Dieu n'est pas rentré à l'intérieur, il est resté à l'entrée. Parce qu'il ne pouvait pas se mettre en présence de la familiarité. Quand Dieu vient dans ta présence, il t'est fait l'honneur. Dieu leur montra que... Et remarquez bien, lorsque Dieu les appela, il appelle Aaron. Il leur dit les trois rentrés, mais lorsqu'il les appela, il n'appelle que Aaron et Marie. Et la Bible dit... Ils leur demandèrent, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la traduction Samuel, bien sûr. Et là, la Bible dit que lorsque Dieu prononça ce qu'il devait prononcer, une lèpre s'attacha à Marie. Jugement direct. Lèpre est symbolique au péché. Ce qui veut dire que lorsque tu tolères l'esprit de familiarité dans ta vie, le péché va s'attacher à toi. Oh Jésus. Et tu sais quoi? J'ai demandé à Dieu, pasteur Catherine. Je dis, Seigneur, les deux ont parlé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que Marie qui a eu la lèpre? Et Dieu me montra, il m'a dit, fils, va dans le chapitre 22. Au moment
où Aaron enleva ses vêtements et Moïse a pris pour oindre son fils Éléazar. La Bible dit que Aaron est tombé raide mort. Le jugement l'attendait. La seule chose qui le protégeait, c'était sa fonction. C'était comme un boomerang qui tournait derrière lui pendant tout ce temps-là. Et au moment où il passa la main, la Bible dit que lorsqu'il l'enveloppa, j'étais surpris lorsque j'ai vu ça ce matin. Parce que tu sais, je demande toujours, je dis, écoute, il y en a les deux qui ont fait des bêtises, pourquoi il y en a un qui paye? C'est pas normal. Et Dieu me montra dans sa parole. Tu vois, Dieu ne va pas tolérer l'esprit de familiarité. Alors j'aimerais te poser cette question. Est-ce que vous et moi, nous devrions le tolérer? Ça ne veut pas dire que nous devons considérer nos pasteurs et nos leaders comme des gourous, loin de là. Mais nous devons avoir du respect, l'honneur vis-à-vis d'eux. Levons-nous, peuple de Dieu. Ah, Jésus, merci. Vous avez aimé ça? J'aimerais vous dire, si vous savez que son de ma voix, vous avez commis un acte quelconque, ça se pourrait qu'avant de venir ici au Bon Berger, vous l'avez commis dans le passé. J'aimerais vous dire, il est encore temps. C'est l'heure d'y remédier. C'est l'heure de réparer des dégâts. S'il s'avère qu'il y en a un quelconque acte de votre part ou d'attitude ou de comportement de votre part envers un responsable, un leader que vous avez commis dans le passé, vous pouvez y remédier aujourd'hui. Premièrement, vous répandre, quelqu'un dit premièrement, vous répandre devant Dieu. Et deuxièmement, allez vous répandre devant la personne. Je dis premièrement, se répandre devant Dieu. Et deuxièmement, se répandre devant la personne. Vous savez, on va faire plusieurs choses ce matin. J'aimerais inviter le conseil spirituel, s'il vous plaît. Le conseil spirituel ne va pas prier pour ce problème-là, parce que Dieu, pendant que je me préparais, Pasteur Catherine, ce matin, il m'a dit, Dieu va faire des signes, des prodiges et des miracles ce matin. Alors si vous avez une maladie quelconque de votre corps, vous avez une douleur quelconque de votre corps, je crois que Dieu va vous guérir ce matin. Vous venez en avant et Dieu va prier pour vous. Ces gens-là vont prier avec vous et vont décréter la guérison et votre corps se guérit. S'il y a, un dysfonctionnement, un manquement quelconque, je veux vous dire, Dieu de guérison est dans ce lieu et il va se manifester puissamment. Mais pour vous, que vous savez que vous avez toléré l'esprit de familiarité, venez pas en avant pour prier avec eux. C'est d'ordre personnel entre vous et Dieu. Et deuxièmement, si, par exemple, Maman Sylvie, elle est là. Que Dieu bénisse son âme. Si vous savez que vous avez eu un manque de respect vis-à-vis de cette personne, il faut le faire. Non seulement demander Dieu pardon à ce couple si merveilleux, non seulement demander Dieu pardon, mais vous devriez venir. Alors si c'est le cas, je vous permets de venir. Mais sinon, ceux qui viennent devant vous prier sont ceux et celles qui ont un problème d'infirmité dans leur corps. S'il y a eu une attitude envers Pasteur Catherine, j'aimerais que vous vous répentez envers Dieu. Et deuxièmement, que vous venez le faire. Si c'est le cas envers le pasteur Jean-Pierre ou même Régine, son épouse, j'aimerais vous dire, repentez-vous. Et dès que vous les voyez, réglez le problème. D'accord? L'équipe de louange va entamer un chant. J'aimerais vous dire, je vous ai dit, vous m'avez vu parler très... Vous savez, je pesais même pour parler. Parce que ne rigole pas avec ça. Si Dieu ne rigole pas avec cet esprit, croyez-moi, nous ne devrions pas. C'est le moment de nous lever et de demander l'action du Saint-Esprit dans notre cœur et de dire, Père, si j'ai commis de telles choses dans le passé, pardonne-moi. Alors je te demande, Père, au nom de Jésus, donne-moi la grâce de pouvoir honorer mes leaders. Donne-moi la grâce d'honorer mes pasteurs et mes responsables. C'est toi qui es à la maison, si tu sais que cela te concerne, j'aimerais aussi que tu le fasses chez toi. On va entamer un chant pour clôturer, bien-aimé. Désolé d'avoir pris le temps, mais je ne pouvais pas quitter cette réunion sans vous donner la totalité de ce que Dieu m'a mis à cœur. Et je sais que cela est une épidémie dans le corps de Christ.
Alors levons-nous, si vous avez besoin de guérison, venez là. Si vous avez besoin de traiter cet esprit, priez, demandez grâce de Dieu et repentez-vous envers les personnes concernées. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.